Alain Duhamel, premier commentaire donc sur ce premier tour des élections législatives avec une République en marche donc qui pourrait donc avoir 440 députés la semaine prochaine, en tout cas qui ce soir fait 32, quelques quasiment 33% avec le MoDem donc des voix. Je le rappelle, hein, il y a un an ça existait même pas. Alors c'est ce qui est frappant, c'est que ce soir et en ce qui concerne les voix, là on marche sur du certain, et en ce qui concerne les sièges, là on marche sur du probable. Dans tous les cas, le En Marche est devenu en fait le parti dominant. Or c'est un parti dominant qui était inexistant il y a un an. Parce que ça prouve la violence du dégagisme, ça prouve aussi la façon, l'intensité du résultat en ce qui concerne Emmanuel Macron, et le fait que son élection présidentielle devient vraiment le moule de l'ensemble de la vie politique. Et ça implique aussi que, et en ce qui concerne les protestataires de gauche, et en ce qui concerne les protestataires d'extrême droite, il y a une quasi-marginalisation. Mmh. Et aujourd'hui, le parti d'alternance affaibli, mais persistant, ça demeure les Républicains, qui ont un score qui est équivalent, légèrement supérieur à celui qu'ils ont obtenu aux élections législatives, alors qu'il y a un net recul et des Insoumis et du Front National.